Yo! Coucou! On est parti de Beauvec! On est parti de Beauvec! Oh là là, petit pincement au cœur parce que leur petit déj était vraiment bon! Ouais! Voilà, juste ça! Mais du coup, si on n'était pas parti de Beauvec, on mangerait pas des pop-corn au fromage! C'est vrai, parce qu'on a trouvé des pop-corn de cheddar! Et des épluchures d'oignons et d'échalotes. Ouais, chelou, ça. Vendues séparément. Ouais. Et si on en retrouve, on vous montre. Ouais. Bon, c'était pas l'objectif de cette vidéo. Si. Non. Non, tu vois. On est à Skokjan. Skokjan. Mais J, ça se dit. Oui, monsieur parle slovène. Hein. Non, mais c'est comme en Allemagne. Bon. Des os. Et j'espère que ça va, vous. Hein, on leur demande pas si ça va. Ouais. Ça va, vous? Cool. On vous entend pas. Est-ce que ça nous intéresse? C'est pas beau, hein. Sinon, vous avez regardé Game of Thrones? Parce que nous, on regarde. Oh là là, on a. On aime bien. Tu peux appuyer sur le klaxon. Mais ça va pas, non? Sale bébé. On n'aurait pas la flemme de sortir. Salut la jeunesse. Yo, yo, yo. On est ici à bleu bleu bleu. Dolina, Velika Dolina monsieur. Bah je sais pas exactement. Ce sont des grottes qu'on pourrait aller visiter. On sait pas si on va y aller parce que ça coûte cher, mais du coup vous le saurez si vous le savez. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est juste que là, on est arrivé ici, paysage sympathique mais sans plus, voilà, rien de bien exceptionnel. On marche 2 minutes et là qu'est-ce qui se passe? On arrive à un énorme trou dans le sol. Qui, petite anecdote, est plus profond, comme certains diraient, que la pyramide. La pyramide. La pyramide de Khéops. En gros, voilà. Là, le paysage est normal. Hop, voilà, on regarde partout comme ça. Mais en fait, après le paysage, un trou. Oh, mais non. Il est énorme. On est à Zagreb. Et c'est très Zagrebable. Tout le monde a dit que c'était moche, alors que du coup, nous, on s'est dit que c'était moche. Des gens sur internet. On s'est juste dit qu'on n'était pas chaud chaud. Il y a des gens qui ont dit. Bon. Mais du coup, là, on trouve ça choupignou. Ce singe! Nous cherchons une géocache. Cet homme est prêt à tout risquer. Mais quelle beauté! Easy. On l'a trouvé cette cache. On n'est pas des cacheurs, non? Allez, salut! Salut, venez avec nous au service d'urgence dermatologique croate de Zagreb. Qu'est-ce qui se passe? Célia a des trucs bizarres sur les jambes. J'étais dans une salle avec 6 femmes croates qui parlaient entre elles et qui disaient Non, ça peut durer, enfin, je mettais entre 7 et 10 jours. On se fait un petit check de sac. J'ai une dermatologicus curticus tubitus. Je sais pas si vous savez. Et en gros, c'est juste que j'ai mis un truc sur mes pieds ou sur ma jambe et ça fait une réaction allergique. Mais sinon, ça va. Je suis pas amoureux et là, on va récupérer une voiture de location. Voilà, on a la voiture. Nouvelle voiture, elle est énorme. On l'appelle Colette, celle-là. Oui. Et du coup, on va partir pour commencer à Split. Split. On a 4 heures de route qui nous attendent. Thank you.
mer, beauté, soleil, etc. Sauf que, on va sûrement rentrer à Lyon. Vous vous rappelez, je suis allée à l'hôpital, tout ça, c'était drôle. Je pensais que ça allait mieux. En fait, je ne peux pas marcher. C'est la souffrance. Si je ne peux pas marcher, on va visiter. Si on ne peut pas visiter, on va voyager. On va travailler. Donc, voir que, ouais, nul. Donc, voilà. C'est pas la fin. En attendant, on essaie de profiter un petit peu de Split et puis. Et puis on verra. Ah. On verra ce qu'il adviendra, ce qu'il adviendra. Et du coup, on rentre à Lyon finalement. Ouais. Et là, voilà, on prend un Flixbus, on en a pour une vingtaine d'heures de trajet. Et voilà. On passe un bon moment. Une frontière. Et on est à l'aéroport. De Lyon. De Lyon. Et on va. À... Mais. Putain. Bravo. Je crois. Oui. Tu craches de partout, mais c'est dégueu. Merde de me jeter dessus. Sur c'est pas ça le jeu. Complètement. Mais parce que moi, en plus, je vise bien. Presque. Mais t'attends pas que je sois prêt. C'est comme les fléchettes. Mais tu fais un effort ou pas? Non. Tu me jettes là, genre. Alors, tu attrapes pas? Presque. Comme les fléchettes. Je vais finir coincé dans ta gorge. Tu sais qu'apparemment c'est hyper dangereux de faire ça. Parce qu'apparemment il y a des gens qui meurent.